Games Done Quick 2015. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est Kawaii Matt et je vais vous accompagner pour le commentaire de 4 jeux. New Super Marisa Land, Xayblade Pixels, Perspective et Within a Deep Forest. Est-ce que tout le monde m'entend? Super, merci. Alors, New Super Marisa Land de la Purge, oui, si on veut. En fait, c'est un jeu qui est vraiment... je dirais que c'est une sorte de compile, en fait, hein, de plusieurs jeux. Super Mario, donc Super Mario World, Yoshi's Island. On aura l'occasion de voir tout ça pendant le jeu. Vous regardez actuellement l'Osso Games Dome Squeak, c'est un marathon qui permet de collecter des fonds pour une association qui s'appelle la Prevent Cancer Foundation. Salut tout le monde sur le chat. La Prevent Cancer Foundation, c'est une fondation qui se charge de financer la recherche de la lutte contre le cancer. Les dons que vous allez verser cette année seront majoritairement dédiés à la recherche de deux types de cancers, le cancer de la prostate et le cancer du sein. Pour vous encourager à effectuer des dons, vous avez plusieurs listes de défis qui viennent de s'afficher dans le chat. Donc vous avez des défis français, donc notamment renommer des personnages de Final Fantasy VII. Donc, vous avez la Team Pôle Emploi notamment avec Pôle Emploi, CAF, URSAF et tout ça. Vous avez également des bids qui sont au niveau de l'AGDQ en général. Vous pouvez notamment faire des versements pour Pokémon Rouge ou Bleu, Castlevania, Shovel Knight. Bref, vous avez également toute une liste hein, de dons possibles afin d'influencer tel ou tel jeu et de faire que votre jeu dure plus longtemps. Alors, est-ce que The New Super Marisa Land est vraiment difficile? Il est difficile. Oui, il est difficile, franchement. C'est pas un jeu qui est de tout repos. Après, quand tu le travailles vraiment bien, t'arrives vraiment à aller à la fin, quoi. C'est jouable quand même. Donc là, si vous faites des dons de 20$, vous pouvez participer au tirage au sort pour gagner une PlayStation 4. Si vous faites des dons de 50$, vous entrez également dans le tirage au sort pour gagner des t-shirts qui sont faits par The Yeti, si je crois bien. Si je me trompe pas, corrigez-moi si je fais une erreur. 50$ également, je crois que vous avez un flipper également. Donc voilà, si vous habitez dans un appartement, ça va bouffer la moitié de votre espace, mais au moins vous serez fier d'avoir un joli flipper chez vous. Et j'espère que vous ferez des dons pour encourager nos runners et pour encourager également la lutte contre le cancer. Shoutouts to World 9 Gaming. Since 2005, World 9 Gaming has been the premier computer and... Alors, New Super Marisa Land sera runné par Raindrop Dry. C'est un runner espagnol, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a un accent à couper au couteau. Ça, je peux vous l'assurer. Et c'est la seule run qu'il fera de la GDQ. Il s'est déplacé uniquement pour venir jouer à New Super Marisa Land avec nous ce matin. Ou pour nous, c'est comme vous voulez. AGDQ 2015 is also sponsored by Turtle Beach. Turtle Beach transforms your gaming world with a selection of cutting-edge technologies, creating a product that completes your high-definition gaming experience and puts you up a step on the highest standard headset competition. Check them out at www.turtlebeach.com. Turtlebeach.com.
Alors, je suis en train d'écouter le Twitch US également pour voir si je peux pas vous choper des informations et vous les transmettre en direct. Vous faire une petite traduction à l'arrache pour vous expliquer un peu ce qui se passe sur place. Ouais, le jeu est un fan art de Touhou. C'est une sorte de spin-off de l'univers de Touhou. En fait, c'est Marisa qui est l'héroïne principale du jeu. Indojin, voilà, merci, Tinubiel. Speedomosarchive.com. Speedruns Live is the best site to race video games online against other players of all skill levels. They are also hosting a short series of races starting January 17th titled Get Yourself Speedrunning. You can go to their front page http://. Alors, quelques informations sur Super Marisa World avant que les festivités commencent. Sachez que c'est un jeu que vous pouvez télécharger gratuitement sur le net, il est tout en japonais, mais vous pouvez trouver un patch pour le traduire en anglais. Pour le trouver, c'est simple, hein. Vous tapez New Super Marisa World sur votre moteur de recherche et vous allez tomber dessus sans souci. Slam, je suis tout à fait d'accord avec toi, la musique de 8 bit pixels est à tomber par terre, mais on verra ça juste après New Super Marisa World. Si tu as le courage de rester jusque-là, tu ne seras pas déçu. This year at AGDQ 2015, we have some awesome prizes. One of those grand prizes is a pinball machine donated by Pinball Joe. He's donated a Swords of Fury pinball machine as a grand prize. Alors, New Super Marisa World. C'est un jeu qui est développé par Twilight Frontier, qui est sorti en 2010 au Japon, uniquement téléchargeable sur PC. Vous pouvez y jouer au clavier ou à la manette. Je vous conseille la manette, parce qu'au clavier, c'est un peu, c'est une torture. Le jeu est configurable sur une manette Super Nintendo. Hein. Ce sont vraiment les mêmes touches que dans Super Mario World. C'est-à-dire que vous avez la croix directionnelle pour aller de l'avant, avancer, reculer, le bouton X pour sauter, le bouton A pour faire vos boules de feu ou courir plus vite. Ils ont prévu combien de temps de setup là? Parce que s'il faut que je sorte, s'il faut que j'aille équer en plus pour. Alors, 10 minutes de setup. Eh ben. We've got a few donations here too. David Wells donates $250. Cancer sucks. Lost my grandmother to lung cancer last month. And last week we lost a guardian in the Bro Force. Hashtag Desmo2015. Also, I want to be the Bashi. Too bad I cannot beat Hello Kitty. Thank you very much, David. Il y a un petit peu de retard, ouais, il y a un petit retard d'une demi-heure sur le planning, semble-t-il. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour meubler en attendant que tout ça s'installe On va pas lancer un débat sur le chat, parce que là, sinon, je vais pas pouvoir réussir à vous suivre. Ça va pas être possible. On peut se chanter quelque chose. Je sais pas, si vous avez une idée de truc à chanter, allez-y. We have a $110 donation from Gregory Leonard, aka Crazy Fish. Been watching the marathons on YouTube for years. This is my first chance to finally watch an SDA marathon live. I'm donating $10 for every marathon that SDA has done. Well, thank you very much, Crazy Fish. Merci, Adlem. Je suis en train de faire l'éléphant de tiroir pour trouver un truc.
Mimi, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va voir. Mon petit poney, pourquoi pas? Je pensais au générique de Pokémon, par exemple. We have a $100 donation from Caleb Luplo. I just wanted to say thank you all. If it wasn't for good people raising money for this cause, my dad and grandpa wouldn't be alive to see my son and daughter. It means the world to me. Thank you so much. And thank you, Caleb. A-t-il une vielle? Désolé, je ne savais pas que le jeu était payant. Thank you, Thomas Lepley, for your $100 donation. First time Bon, attends, watching live. Mimi, je vais voir ce que c'est que ça. Sad that I have to work and miss a lot of these great runs. Sincèrement, je connais pas. Bah tu vois, Coten, si je te décris le run à venir maintenant, bah j'aurai plus rien à te dire pendant le run. Donc du coup, je vais être un peu, tu vois, je vais être un peu charrette, quoi. L'opéra de MV, non, ça c'est MV. On ne touche pas, touche pas à MV. Il se passe quoi, Dr Pepper Fox? Eh bien, écoute, un technicien est en train d'installer actuellement un PC sur lequel nous allons faire tourner prochainement New Super Marisa Land. La route de Jadiel, mais tu sais que c'est une chanson que je chantais quand j'étais petit. We've got a $10 donation from Lucas Broll. Donating to save the animals because every dollar put towards saving the animals is a dollar someone else will have to spend to put up to kill them. Sur la route Point. vers la ville de Jadiel. Want to kill the animals? Yeah, do it. Est-ce que le run perspective vaut la peine de rester éveillé? Je t'avoue que c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. And Daniel Pfeiffer also C'est un donated $10 jeu says, think about it guys and save the animals now or it qui all joue could sous end la bad. perspective. Là, je t'apprends pas grand-chose, je t'avoue, mais c'est un jeu qui est vraiment intelligent en fait. C'est un jeu très court, mais très intelligent. Qui a été fait par les étudiants qui ont pondu Narbacular Drop. Et Narbacular Drop, c'est le jeu qui a inspiré Portal. Donc We've got a ça te donne $20 déjà un peu donation la from Brenda qualité Lawn. de ces petits That jeux. is Squishy 15. Hello from Japan. This is the first year I can donate and I just have to throw some money during the Toho game. Toho is my favorite series and I am happy Le and handy if World it is being Record sur run. New Super Marisa Still Land, raindrop dry and good luck to all the dernière runners. nouvelle, est détenu Thank you. par Raindrop Dry, justement. Et il a amélioré son PB, pour être exact, le 31 décembre. Alors, faut que je te retrouve son temps pour ne pas te raconter de bêtises, mais c'est sous les. Tous les 20 We minutes. have a $5 donation from Austin Kavanaugh. Thank you to everyone out there doing the thing and making a difference. Je te You retrouve know, it seems like our ça. biggest Il search nous a yet, fait. but Non, maybe pardon, sous les someday 40 I'll minutes, be there to excuse-moi. see all the amazing people Donc, raising funds c'est here. la route Thank you, Austin. tous les champignons, All Mushrooms, qui était faite en 36, 36, 36 et les bananes. Je suis désolé, je suis en train d'ouvrir 36 fenêtres en même temps. Alors, en combien de temps est-ce We que have a tu as fait $100 ton donation World from Record Chris en St. Vincent. 36-10 I snowed in at home today, so what better way to spend the pour day than watching Raindrop Brenda play Dry? popular games? Good
sur New Super Marisa Land. Ouais, j'ai proposé de chanter, ouais. Le link... non, si tu fais ça, Nowhere Drag Race, tu vas te faire ban, justement. Je ne suis pas bien portant. Ah oui, attends. Alors celle-là. Il faut faire sur une charte Google avec lyrics, évidemment. Alors, Gaston Ouvrard. Ah, mais il y a de la qualité ici. Welcome everyone to Awesome Games Done Quick 2015. As we're setting up for New Super Marisa Land, wanted to take time to let everybody know. If you subscribe on Twitch, if you're watching on Twitch, you can hit that subscription button. All $5 goes to the Prevent Cancer Foundation. You also get some awesome new emotes that you can use. Chanter Eyes on Me, ah ouais, non, mais là, faut me prendre par les sentiments aussi du Final Fantasy VIII, là. Là, j'avoue que Eyes on Me, ouais. Celle-là, je la chante comme un porc, mais franchement, ça chante, quoi. Faudrait changer le nom du jeu, bien vu. Eh ben, c'est déjà fait. We have a $20 donation from Jacob Proshkovich. DMJ654 here from Gensokyo Radio. Good to see Toho games being played on AGDQ. I hope to see more in the future. Hope you have a good run, Raindrop. Kill those animals. Alors, on m'a lancé un défi. On m'a lancé un défi de chanter Je ne suis pas bien portant. Alors, j'ai les paroles sous les yeux. Attention. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le zézier, anémie, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le scratum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se divise. Ah mon dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon dieu c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Et paf! Non, pas de Let It Go, là je peux pas. Non. C'était quoi la chanson? C'était Je ne suis pas bien portant de Gaston Ouvrard. Merci, merci Axorm. Merci, merci. C'était mon speedrun. Greetings from the public. First time watching AGDQ and I'm loving you. Work, keep it going. Thanks Raphael. Ouais, si vous voulez retrouver, je ne suis pas bien portant, VOD. Allez sur Reddit. Ah, j'ai pas envie de vexer, je n'ai pas envie de vexer Dudule, donc je ne chanterai pas une chanson. Je ne chanterai pas cette chanson en tout cas. Mais carrément que ça mérite des dons. Oui, le run de Marisa aurait dû commencer il y a à peu près 40 minutes. La route de Jadiel. Ah ouais, c'est vrai, alors attends. La route de Jadiel. Faut que je te retrouve là également les paroles. Alors, la route de Jadiel.
Sur la route vers la ville de Chadia. Alors, article chanson. Ah merde, mais je m'en souviens plus en fait. J'ai que le thème. There's no sound. Il n'y a pas de son apparemment, on nous dit sur le stream américain. Ah! Eh ben voici New Super Marisa Land. Si je commence à perdre ma voix dès le début, on n'est pas rendu. Alors. Écoutez, on va se réserver les chansons pour les setups. Merci. Comme vous pouvez voir, Raindrop Bry a une tête bien rouge. Alors, New Super Marisa World. Quelle est l'histoire du jeu? Bah, figurez-vous que Marisa est une petite sorcière qui va récolter des champignons pour faire une soupe. Et en concoctant sa soupe, son chaudron explose et ses 6 champignons sont répartis aux quatre coins du monde. Marisa va alors s'empresser d'aller chercher ces champignons qui causent de grands malheurs. La run ne commence pas encore. Là, ils sont vraiment en train de setup le jeu. Alors que j'ai l'impression que ça rame à mort chez moi. J'ai un cosplay de Marisa, mais tu pourras pas le voir, Pichu Station. Slow anyway, it works. The most depressive victory thing. Okay. All right, we're having some technical difficulties. We're going to take the stream down for a little bit, and we'll be right back with you. Ok, donc apparemment ils ont quelques difficultés à faire tourner le jeu. Donc, et bah, c'est parti pour... Oula, offline carrément. Ok. Eh bah. Non, Biff, non. Alors, Lara Fabian, non. Non, non, non. Est-ce que je fais du speedrun? Non, je ne fais pas de speedrun. Je suis fan de speedrun. Je suis un grand commentateur. J'ai une chaîne Twitch sur laquelle je diffuse quelques petites vidéos que je sors de ma PS4, mais non, pas grand-chose. Alors, puisque ça a été réclamé par tout le monde, et je veux que le chat chante avec moi. Vous faites comme vous voulez, vous débrouillez, je m'en fous, mais vous allez chanter avec moi. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les tous, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les tous. Yeah, I think.
Mais ouais, mais Pokémon, mais ça marche, quoi, c'est obligatoire. Allô, Cognac G, nous avons une image. Le rap de Claptrap, je ne connais pas. Merci, merci à tous, vraiment, merci à tous. Mais je ne viens là que pour meubler, vous savez, hein. Moi, le run, à la limite, j'ai bossé dessus, mais c'est secondaire. Je viens là pour chanter et pour animer les phases de setup. Oh là, je sens qu'on n'est pas rendu. Oh là là, ça va commencer avec allez, 3 quarts d'heure de retard. Eh mais j'ai un boulot moi aussi dans la vie, hein. Ah, désolé, Shichunga. Ou alors, Red Drop Dry, on voit pas ton visage, mais on voit le jeu, c'est déjà bien. Merci, Joaris. Merci à tous. Non, franchement, je reviendrai. Je suis chanteur de cabaret à mi-temps, eh oui. Écoutez, je peux vous donner la recette de mes petits gâteaux de Noël. Des gâteaux qui ont eu un grand succès dans ma famille. Je vais vous retrouver la recette immédiatement des biscuits de Noël que vous pouvez faire à toute période de l'année, même au-delà de Noël, hein. Alors, vous avez quoi noter? Bon, pour faire les biscuits de Noël, vous prenez 250 g de farine, 100 g de beurre ramolli, 125 g de sucre, 50 g d'amandes en poudre, un œuf et une cuillère à café de levure. Vous pouvez ajouter à cela des épices que vous voulez, hein, de la cannelle, du gingembre, ce que vous voulez. Alors, pour préparer votre recette, vous préchauffez votre four à 200 degrés, thermostat 6-7, ok? Vous mélangez dans une grande jatte. Alors une jatte, c'est une sorte de bol, mais en plus grand. Vous voyez, vous mélangez la farine, la levure, le sucre et la poudre d'amande. Vous ajoutez le beurre. Alors il ne faut pas que ce soit du beurre fondu, il faut que ce soit du beurre mou. Le beurre mou, vous le coupez en petits cubes et vous le rajoutez dans votre farine, votre levure, votre sucre et votre poudre d'amande. Vous travaillez tout ça avec une fourchette. À la farine après, avec ou sans gluten, ça tu choisis. Vous travaillez cette farine avec une fourchette et vous pétrissez avec les mains afin de faire une boule. Vous l'assaisonnez au choix avec des épices, ce que vous voulez. Moins vite. Ah bah non, mais après tu vas sur Marmiton, hein, tu tapes biscuit de Noël et tu l'auras. Alors moi ce que je fais, c'est que je coupe la boule en trois. Je fais trois assaisonnements différents. Parce que tu vois, les biscuits de Noël, c'est mieux quand il y en a trois. On étale la pâte avec un rouleau et tu découpes ta pâte avec des emporte-pièces. Alors des petits sapins, des lunes, des étoiles. Je sais pas moi, la boule magique. Tu disposes tout ça sur une table, enfin une plaque plutôt, hein, garnie d'un papier sulfurisé, et tu mets tout ça dans ton four. Juste avant d'enfourner, ne pas oublier quand même de passer un tout petit peu de jaune d'œuf sur le biscuit afin qu'il dore. Tu mets ça 7 à 10 minutes dans ton four, et une fois que tes biscuits sont cuits, bah alors tu régales ta famille avec ça, quoi.
Ouais, le gluten, c'est la vie. Oh, merci, frère le Kaiser. Bah écoutez, pour la prochaine fois, je prévois des biscuits et j'en donne à tout le monde. Bon, alors voir, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour meubler vous avez des idées dans le chat là qu'on s'occupe parce que là, je veux pas dire, mais on s'ennuie. Hein? Mais reste avec nous, Black Medusa, on se marre bien, on chante, on fait des biscuits. Je sais pas, je bois un verre d'eau, enfin voilà quoi. Mais franchement. J'ai bien l'impression que ça ne commencera jamais, décidément. La dernière fois que j'ai fait un commentaire pour la GDQ, c'était l'année dernière, et j'ai commenté Yoshi's Island. C'était mon premier commentaire, et c'était pendant ce commentaire qu'il y a eu une alerte incendie, et qu'ensuite on a eu le fameux délit de service. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'année dernière. Mais voilà, ma première expérience de commentaire, c'était c'était ça. C'était une alerte incendie et un DDoS. Et là maintenant, bah, j'ai un jeu qui démarre pas. Donc voilà. Ça a commencé? Bah écoute, moi je suis offline, hein. Ça a déjà commencé? Non, tu déconnes. Alors. Depuis tout à l'heure, je suis en train de meubler tout ça alors que le truc est déjà lancé, quoi. C'est n'importe quoi. Je suis sur le stream US qui apparemment est offline, hein, cher. Instead of spaceships, you have these magical girls who shoot waves and waves of bullets, and they're pretty intense games, so it's and very difficult, in fact. So it's kind of surprising that Toho would get so popular as to get a bunch of fan games. Eh ben voilà, on y est. Ça y est, c'est parti. Alors, on est où? On est où? Oh là! Oh, ok, d'accord. Bon alors, pas de panique. On va rattraper le bousin. Donc, on est où là? On est où? On est où? On est dans le premier niveau. Très bien. Alors, attendez que je m'y rattrape. Hein. Ah, on est déjà dans ce niveau-là. C'est pas possible. On est quasiment déjà au premier boss. Bon, ok. Alors, le premier boss, c'est Alice. Alice, en fait, c'est un boss. Bon, on va d'abord faire le niveau d'Alice pour commencer. Alors, eh ben, écoutez, ça tombe très bien qu'on arrive là parce que là, vous allez voir déjà un premier out of bound. Alors, c'est passé très rapidement en fait. Elle se prend un dégât, il reprend son petit thé pour pouvoir lancer ses petites boules de yoga. Je suis désolé, je suis complètement paumé. Hein, je vais me reprendre. Et le fait de reprendre sa taille initiale et de se retrouver dans le mur fait qu'il est projeté vers le bas. Et du coup, le jeu se dit c'est pas normal d'être dans un mur. Il fait pas de bon être dans un mur, hein, comme dans Tomb Raider Anniversary. Et du coup, on se retrouve projeté plus bas dans le niveau et on gagne quasiment. Allez, on gagne 2-3 minutes quoi, dans le niveau, facile. Alors, voici le boss. Comme vous pouvez voir, on a un champignon dans notre inventaire et un champignon, ça insta-kill Alice. Donc voilà, rien à faire, on s'en va, on la laisse crever sur le sol, ciao, et on enchaîne.
Alors normalement, il faut la toucher trois fois. Hein, mais bon, là, un champignon, apparemment, elle est allergique. Je sais pas quoi. Bon, en tout cas, elle y passe. Alors, le niveau suivant, on va faire un point d'abord sur les items, si vous voulez bien, parce que je suis complètement, complètement perdu. Comme dans Super Mario World, vous avez des items. Premièrement, le champignon, ça vous permet de passer de votre forme de petit Marisa à normal Marisa. Ensuite, vous avez également le thé qui vous permet de passer en mode boule de feu. En fait, là, vous tirez plus des boules de yin et yang, hein, vous voyez ce que je veux dire. Les caractéristiques de ces boules, c'est qu'elles se comportent un peu comme les œufs dans Yoshi's Island. C'est-à-dire qu'elles partent à 45 degrés lorsque la boule touche le, à 90 degrés. Lorsque la bouche touche le sol, elle part à 90 degrés et ne fait pas des petits rebonds comme les boules de feu de Mario. Là, vous avez vu un nouvel item également qui est la carotte. La carotte permet de transformer Marisa en lapin. Le lapin, le lapin. Et le lapin, ça lui permet simplement de rester un tout petit peu en l'air, comme vous pouvez le voir, en agitant ses petites oreilles. Marisa peut voler un tout petit peu en l'air. Bon, on reviendra là-dessus, hein, parce que j'y suis allé un peu rapide. Dans chaque niveau, il y a 10 étoiles rouges à collecter. Évidemment, ici, on fait du 100% mushroom, mais on va pas faire de, on fait pas de 100%, de 100% complet. Donc, on ne va pas s'attarder à prendre ces petites étoiles rouges. Si vous prenez toutes les étoiles rouges de chacun des niveaux, vous débloquez des niveaux extra qui sont jouables dans chacun des tableaux. Donc, si vous voulez en fait rallonger un peu votre plaisir de jeu. Récupérez toutes les petites étoiles rouges et vous allez kiffer. Comme vous l'avez vu à l'instant, on prend des dégâts pour aller un peu plus loin, enfin pour ne pas être ralenti dans le niveau. La plupart des niveaux comportent des sorties secrètes. Ces sorties, vous pouvez les trouver assez facilement. En général, c'est pas forcément super caché. Donc les sorties normales sont représentées par des ballons rouges, les sorties secrètes par des ballons bleus. Et lorsque vous trouvez une sortie secrète, vous allez directement quasiment vers le boss en fait. Hein. Vous pouvez skipper 2 à 3 niveaux à chaque fois. Donc ça vous permet vraiment de finir le jeu en mode speedrun, hein, c'est ce qui nous intéresse finalement. Alors là, il y a une façon spécifique de passer dans ces pièces-là. Si vous ne passez pas par ce chemin-là, vous êtes bloqué dans une boucle qui continue tout le temps. Nous sommes déjà au deuxième boss. Le deuxième boss qui est Tiwi Inaba. Elle vous balance plein de clones à la gueule. Il faut simplement la taper elle en priorité. Donc pour la reconnaître, c'est simple, hein, c'est celle qui a un petit turban là sur le crâne. Il faut la toucher trois fois. Et lorsque vous l'avez touché trois fois, vous avez fini le boss et vous récupérez votre champipi, votre champignon. Il est choupi ce jeu, mais t'as tout à fait raison, petit biscuit. D'ailleurs, j'ai donné ta recette. Tu ne m'en voudras pas. Et voilà, nous avons déjà récupéré notre premier champignon sur 6. Ça va vite. Hashtag ça va vite. Et nous voici déjà dans le 7e stage. Alors. On va refaire un point sur les objets puisque maintenant nous sommes un tout petit peu plus au calme. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous le refais plus lentement. Comme dans Super Mario World, vous avez plusieurs items qui vous permettent d'avoir plusieurs transformations. Pour l'instant, les transformations que nous avons vues, c'est premièrement le champignon qui vous permet de passer de petit à grand. Ensuite, le thé qui vous permet de passer dans ce costume que vous voyez actuellement sous vos yeux ébahis. Ce costume vous permet donc de lancer des boules de yin et yang qui apparaissent à peu près 3 secondes à l'écran et au bout de 3 secondes, elles cessent de rebondir et disparaissent tout simplement. Et c'est le fail. Oh lolo, est-ce que tu vas arriver jusqu'au bout sans te prendre un poisson? Oh, c'est chaud, hein.
Vas-y, mais tu peux le faire. Mais ouais, mais t'es un champion. Voilà, super. L'autre item que l'on a vu également, c'est la carotte. La carotte qui permet de transformer Marisa en lapin. Le lapin. Le lapin. Et le lapin vous permet donc de voler un peu plus longtemps dans les airs. Un petit post-play. On va faire ça. Ah mais je suis grave à la bourre en fait. Donc nous allons arriver dans les premiers niveaux aquatiques. Dans ce niveau, ah ben voilà notre petite Chibi Marisa. Dans les niveaux aquatiques, nous allons également trouver un nouveau costume qui va nous être fourni prochainement. Je vais éviter de trop vous spoiler. Dans ce niveau-là, on va donc récupérer la petite sphère bleue qui, comme dans tous les jeux, vous permet de débloquer une sortie secrète qui vous permettra d'arriver plus loin dans le jeu. J'ai encore un peu de retard? Non, mais tu déconnes. Bon, si j'ai 5 secondes de retard, By the way, this next lab is very exciting. Alors, ce niveau-là, c'est l'auto-scrolling de l'enfer. Si tu veux perdre ton temps, si tu veux faire du meublage, et ben c'est le genre de niveau parfait pour ça. Donc, concrètement, l'écran se déplace automatiquement. On cherche à s'occuper en... en balançant nos petites boules un peu partout. Là, malheureusement, j'aurais pas vraiment de choses à vous commenter parce qu'il n'y a pas forcément de skill, sincèrement. D'ailleurs, dans ce jeu, il n'y a pas forcément vraiment de skill particulier. C'est vraiment plus de l'exécution et de la qualité du runner. On peut pas forcément dire qu'il y ait de glitch particulier. Il y a quelques passages qui vous permettent de couper dans le niveau, mais en général, vous êtes plutôt sur une ligne droite. Vu que je viens de faire un pause play, je me tape une pub, donc je ne sais plus où on en est. Mais bon, ça fait du CPM, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est un jeu payant. Bon, on est toujours dans le niveau du scrolling, donc c'est parfait. On se dirige déjà vers le troisième boss qui s'appelle Patchouli. Et donc là, nous avons notre nouvel item que je voulais vous décrire tout à l'heure, qui est, ils appellent ça l'item Ryzen Suite. Donc c'est un item qui vous permet simplement de... c'est la Suwako Suite. C'est l'item qui vous permet simplement de nager très rapidement dans l'eau. Lorsque vous appuyez sur la touche d'action, vous nagez quasiment en ligne droite. Alors dans ce niveau-là, évidemment, on prend des dégâts pour aller plus rapidement. De toute façon, on s'en fout. On a un objet en stock. Si on a besoin de se prendre d'autres dégâts, c'est comment ça marche. Là, idem, je tombe sur les pics. Et on avance. Alors ici, on est bloqué par cette espèce de théière rose. Donc, du coup, on se bloque pour pouvoir la passer. Là, idem, on est obligé d'attendre. Et là, on passe ça d'un coup. Et nous voici arrivés au niveau du boss. Le boss, c'est... Patchouli, donc en fait, vous avez trois robots, deux qui sautent très très bas et un autre qui saute très haut. On est censé sauter trois fois sur sa tête, mais si vous la tapez avec vos balles de Yin et Yang, ça revient au même. Et on récupère déjà notre troisième champignon. Eh bien, dis donc, on perd pas de temps.
equivalent to one stomp of damage. So you have to bring Reimu from. Et on enchaîne encore sur des niveaux aquatiques. Donc là, deux techniques. Hein. Soit tu fais le niveau normal, ou soit tu le fais à la mode speedrun. Donc, je crois que c'est une technique qui marche comme ça également dans Super Mario World. Hein. Vous pouvez passer en dessous des niveaux en faisant du Razmot. Alors que sur le chat, on vante les mérites de Pôle emploi. C'est pour FF7, hein, les incentives Pôle emploi. Pôle emploi, CAF et tout ça. Alors là, on vient de passer au-dessus d'un item que l'on verra plus tard. C'est l'item qui vous permet de vous rendre en mode géant. Et je suis sûr que vous allez kiffer ce mode. Parce que je vous connais, hein, bande de petits loustiques. Vous allez kiffer la forme que ça va lui donner. On arrive déjà dans le monde de neige, donc évidemment, qui dit neige dit ça glisse. Donc l'inertie n'est plus la même, il faut être vraiment précis dans ses sauts, parce que c'est le dessin instantané. Hein. Si vous n'anticipez pas votre saut, vous êtes certain que vous allez y passer. Il est à combien ce jeu, French Baguette Fromage? Je t'avoue que je n'en sais rien, je n'ai pas la conversion yen et franc CFA. Et ben voilà notre grosse Marissa. Donc évidemment, elle prend du poids et elle prend surtout des boobs, hein, on va pas se mentir. Hein. Et donc voilà, ça c'est le niveau où vous faites vos stocks de vie. Hein. Là, clairement, vous avez plus d'une vingtaine de vies qui vous est gracieusement offerte, qui vous sont gracieusement offertes. Mais qui ne vous serviront à rien, puisque hein, on est des PGM, on est des speedrunners, on n'a pas besoin de vie supplémentaire. Ah bon, le froid est fini depuis 10 ans? La grosse Marisa, tout à fait. Et une fois que vous sortez de cet état de grosse Marisa, vous redevenez la toute petite Marisa. Alors évidemment, on ne s'arrête pas dans les petites cabanes de Toad hein, qui vous permettent de refaire votre stock d'objets. Ça ne sert à rien, on est pressé, on avance. Alors oui, je suis d'accord avec toi, l'artwork prend 25% de l'écran à droite, mais c'est tout ce qui fait le charme de ce jeu. Nous nous dirigeons déjà vers le quatrième boss qui s'appelle Yumu Kompaku. Avant cela, on a un dernier niveau à passer. Sincèrement, je n'ai vraiment pas grand chose à vous dire sur les niveaux. C'est vraiment du skill. Hein. Il n'y a pas de glitch particulier ou de. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, hein, au cas où ce ne soit pas suffisamment clair. Comme le dit le runner aussi bien que moi, enfin bon, même surtout mieux que moi, New Super Marisa World, c'est vraiment du management en fait. Hein. Il faut vraiment apprendre par cœur votre niveau. Dès lors que vous avez l'exécution dans les mains, vous pouvez faire le jeu vraiment d'une traite. Il n'y a vraiment pas de bug exploitable, quelques OOB, mais c'est vraiment anecdotique. Alors là, par contre, on prend notre courage à deux mains. Et on y va, et ça passe. Formidable. Et voici Yumu Kompaku. Alors, c'est un fantôme. Alors, pour ceux qui ont déjà joué à Yoshi's Island, vous savez déjà comment fonctionne ce boss.
Tout simplement, vous prenez votre alcoolique et vous la balancez à la tête du boss. Une fois qu'il est plus bas, vous tapez son champignon et c'est déjà fini. Et du coup, vous récupérez déjà votre quatrième champignon. C'est du super play, tout à fait. C'est vraiment, c'est du, ouais, c'est du speedrun quoi. C'est du super play. Alors voici un autre OB. Celui-là, il est assez fun. Il me fait penser un peu à celui du premier Mario Bros. Vous pouviez passer tout au-dessus du niveau pour arriver à votre warp zone. Donc je vous répète, hein, il ne fait pas bon être à mur, hein, comme dans Tomb Raider Anniversary. Pour ceux qui ont vu ce speedrun, vous savez de quoi je parle. Alors, les chauves-souris, c'est probablement l'ennemi le plus pénible de ce jeu. Ça ressemble un peu au Pokémon dont le nom m'échappe. Alors, voici une nouvelle transformation, la Mini Marisa. Alors là, c'est un peu comme le bébé en fait dans Yoshi's Island. Une fois que vous êtes lancé à fond, vous êtes invincible. Rien ne peut vous arrêter. Vous allez vraiment en ligne droite. Par contre, c'est une durée limitée, ça ne s'utilise qu'une seule fois dans le niveau. Je vais me faire écraser par des sauts maudits. Voilà, un niveau vraiment simple. Est-ce que l'on peut coder ce jeu dans un autre jeu avec TazBot? Il est jouable à la manette, donc I suppose. Alors un niveau, plein de portes, un vrai labyrinthe. Je crois que c'est encore une idée qui a été piquée dans Yoshi's Island, le fait qu'il y ait une multiplication de portes. Mais une fois que vous connaissez le chemin, rien de compliqué. Là également, il n'y a pas forcément de skill particulier. Cela dit, on va chercher la sortie secrète. Je suis d'accord avec toi, Mox-O. Le temps de latence est assez spécial. Il y a vraiment un temps de réponse assez original. Entre l'input et l'exécution à l'écran, tu peux compter à peu près, une demi-seconde. Ce qui rend le jeu assez étrange à jouer. Donc là, à nouveau, un OOB. Alors là, on est rentré dans le mur, mais comme dans du fromage. Hein, c'est... Il n'y a aucun respect pour le jeu, ça passe tout seul. Alors dans ce niveau-là, on va découvrir un nouvel objet qui est le canon. Et le canon vous permet d'éliminer tous les blocs devant vous dans un rayon d'un écran, tout simplement. Alors là, nous, on n'a pas de temps à perdre, on va pas s'embêter à suivre des petites plaques qui bougent sur de la lave. On est des gueudins, on va de l'avant. Yeah, skips a moving platform ride, basically, so it saves a lot of time.
Carte Kaleo, je fais ça tous les jours. Tous les jours. Et voici notre prochain boss. Butsu Ryuji. Un combat de l'enfer. Du moins qui se passe en enfer. Ah, il vient de se faire troller, mais alors d'une force. C'est dommage. Donc là, le boss se fait en 3 cycles. Hein. 3 coups, 3 coups sur le crâne, et on a fini. J'ai la voix de Cyril Hanouna, ou je ne sais pas si je prends ça comme un compliment. Alors on va arriver sur le monde, enfin, le niveau préféré de notre speedrunner, Raindrop Dry. Et là on a également un nouveau costume. Alors celui-là il a un fonctionnement un peu similaire à un costume de Megaman dont le nom m'échappe, mais je compte sur vous dans le chat pour m'aider. Avec ce costume vous pouvez créer des plateformes pour vous élever dans les cieux. Et du coup progresser dans le niveau. Cette plateforme, vous pouvez également les projeter vers l'avant pour en faire des armes mortelles. J'ai la voix de Patrick Beau, Jean Fiance, je te remercie pour ce compliment. Donc là, évidemment, le jeu ne s'attend pas à ce que vous fonctionnez ainsi, mais bon, on est pressé. On n'a pas de temps à perdre. Ici, monsieur, on fait du speedrun. Donc, nous, on eut. Ah non! Ah, et c'est le fail. Et tu pourras jamais te rattraper. Okay. C'est le Mario Nuage de Mario Galaxy. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, je pensais plus à Megaman. Et là, du coup, eh ben, on va être obligé de se taper le niveau en mode. en mode normal, quoi. C'est vrai, finalement, j'ai plus ou moins la voix de Kawaii Matt. Voilà, on récupère notre objet favori et on est reparti. Cette fois-ci, Raindrop Dry, ne te fail pas. Toute la communauté française est derrière toi avec tout le respect qui t'est dû. Formidable. Airwalk est le plus important trick. C'est RNG manipulation, je swear. Yeah, you know the game, right? Alright, I'm gonna try this once. Yeah. Alors là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans ce niveau-là, vous avez du vent qui vous transporte d'un niveau à l'autre, un peu comme dans, je dirais, Super Meat Boy. Du coup, dès lors que vous arrivez à choper, le premier courant, le niveau est vraiment simple. Et on se dirige méchamment vers notre prochain boss. Alors là, on a des petits ennemis qui ressemblent à ceux de Super Mario Bros. 3. Les ennemis du désert. Alors je ne sais pas si on l'entend très bien, mais la musique de ce jeu est juste exceptionnelle. C'est une petite musique plus ou moins orchestrale, assez animée en fait. Et franchement, je trouve que ça colle super bien avec l'univers du jeu. Si vous avez l'occasion d'écouter l'OST du jeu, allez-y, parce que franchement, vous allez passer un bon moment. Voici notre prochain boss. Là, idem, hein, très simple, 3 coups sur le crâne et on n'en parle plus. Alors, pour la toucher, c'est simple, il suffit simplement d'utiliser les objets qu'elle nous balance. Et alors là, du coup, on se met vraiment tout en haut de l'écran pour choper le champignon le plus tôt possible. Et une fois que le champignon est dans vos mains,
On enchaîne. If I jump early enough, I can like go completely off screen. But I don't have the right audio cue for that right now, so. So we're actually coming up on the last world already here. Just one transition level between the two. Voilà, donc là vous avez vu, en effet, on projette notre ustensile vers l'avant. Et ça nous tue tous ces petits cotons. Ces personnages me font un peu penser aux cotons de la drogue là dans Yoshi's Island. Vous savez, quand vous en touchiez un, vous étiez à moitié dans les vapes. Bon là, à quoi ça sert de rouler sur une pierre si on peut aller tout droit? Sincèrement, je vous le demande. Donc le prochain niveau va nous permettre d'utiliser un nouvel item. Assez fun qui est l'UFO. Alors vous en voyez plein qui passent là. Cet item sert majoritairement à un boss et également à trouver quelques sorties secrètes. Donc notamment cette sortie-ci. Voilà. J'aime beaucoup le petit design sur la droite du coup de Marisa, la tête enfoncée dans son dans sa soucoupe. Donc là, dès que ça commence à clignoter, c'est pas bon signe. Dès qu'on est arrivé à la fin. Et sortie secrète. Et du coup, on enchaîne, on coupe. Tout comme dans Super Mario World, à nouveau, lorsque vous êtes sur une pente et vous appuyez vers en bas, vous vous mettez en mode glissade. Et du coup, vous pouvez éliminer tous les ennemis en face de vous avec un bon coup de pied dans leur face. Donc là également, l'UFO va nous permettre d'atteindre la sortie secrète qui se trouve derrière la sortie normale. Je vais les voir juste en atterrissant. Voilà, on a vu le ballon rouge et juste derrière se trouve le ballon bleu, soit la sortie secrète. Nous sommes à un stage du boss final et ici nous sommes sur un niveau qui est encore une fois de plus un scrolling. Et le scrolling, c'est ce que détestent les speedrunners. Donc évidemment. Eh ben, on s'ennuie. Voilà tout. No problem. We've got a $20 donation from Joe Forever. Great run so far. Glad to be donating during the Toho game. Good luck and don't forget that Master Spark solved. Je profite que les Américains parlent de dons et de donations pour vous inciter également à vous renseigner sur les différents challenges en cours pour renommer les personnages de Final Fantasy, pour influer sur la run de Morrowind. Vous avez également des dons possibles pour avoir la good ending de Silent Hill. Là, je vous parle uniquement de ce qui m'intéresse, évidemment. Vous avez également des dons pour The Legend of Zelda, pour choisir le nom des fichiers de sauvegarde, puis également pour renommer Link. Merci Noirdez pour la liste des défis FR, c'est exactement ce dont je parlais.
Non, ce n'est pas le run de Battle Block. Le run de New Super Marisa World. Maintenant, ça a dû être mis à jour. Ouais, ça a été mis à jour. Alors là, évidemment, vous avez tous reconnu le niveau dont il est fait référence ici. Un bon Super Mario Bros. 3 des familles. Donc là, ce que je trouve vraiment, vraiment intelligent dans le jeu, en fait, c'est qu'ils ont vraiment récupéré le meilleur de chacun des jeux pour les intégrer dans leur production. Donc là, évidemment, les bombes vont nous permettre d'ouvrir le passage. Hop, une petite vie cachée. Ça sert à rien, mais c'est pour le fun. Et oui, vous avez tous reconnu, c'était bien Pokémon qui se cachait derrière ce niveau. Nous allons approcher du boss qui, selon moi, est la meilleure idée du jeu. Un boss que je trouve vraiment fun. Alors pour le tuer, celui-là, faut le toucher 15 fois. 15 fois, mais en mode UFO. Et ça, je trouve ça fun. Alors, vous allez voir que le boss va vous balancer en fait des items. Si vous touchez ne serait-ce que l'un de ces items, vous allez vous transformer sous la forme correspondante. Donc la fleur, le champignon, etc. Et donc évidemment, vous allez choir et perdre tout simplement ce niveau-là. Et évidemment, ça n'arrive pas. Et nous allons récupérer notre champignon. On enchaîne ensuite avec un prochain boss. On enchaîne direct avec un boss en fait. Donc là vous voyez que le scrolling est un petit peu plus rapide hein, sur ce niveau-là. Et c'est pas plus mal. Ça nous permettra de finir le niveau un peu plus rapidement. Donc là vous voyez qu'on arrive vraiment sur les derniers niveaux quoi. Donc on est sur une difficulté qui est un petit peu plus élevée. Et là comme le signalait une personne dans le chat, en fait vu que vos inputs ont un petit temps de décalage, ça devient assez compliqué de manipuler Marisa dans ces niveaux-là. Ouh, celui-là tu l'as passé. Parfait. Alors, chacune de ces fées, il faut 3 coups pour la toucher, ou un seul coup de boule de yoga. Nous avons récupéré tous nos champignons, ce qui va nous permettre de débloquer le final boss. Alors, je ne sais pas à quoi ces champignons pouvaient bien servir dans la soupe de Marisa, mais personnellement, je n'y tremperai pas mes lèvres. Voici le dernier boss qui ressemble plus ou moins à une copie de Bowser dans Yoshi's Island. Sauf qu'on n'est pas en mode 7, on est en 2D. Et tous nos amis ont été absorbés dans un champignon géant, mais c'est la fête. Et c'est déjà fini. 38-40, ce n'est pas son PB. Il y a eu quelques erreurs, mais il est à 2 secondes derrière son PB. Et voilà, on en a fini de Super Marisa Land.
Maintenant, Marisa va pouvoir rentrer chez elle avec ses petits amis pour manger une soupe de champignons et refaire des cauchemars. Loulou, je te souhaite bon courage. Do I have time to show stuff? Alors, le runner demande si on a un peu de temps pour montrer quelques petits bugs. Oh, okay. Et je crois qu'on vient juste de l'envoyer sur les roses. Voilà. C'est vrai que c'est la seule run malheureusement que présente Random Drive. Je pense qu'il aurait bien voulu, il aurait bien voulu rester un peu plus longtemps, mais malheureusement. Nous avons franchi le cap des 210 000 dollars de dons. Entre temps, nous sommes à 212 000 dollars de dons. Donc félicitations à tous ceux qui ont donné. Merci à tous ceux qui ont donné pour la fondation pour la Prevent Cancer Foundation. So I can go to